Alors, juste vérifier si le micro fonctionne. Ouais, c'est bon, ça fonctionne parce que tout à l'heure ça ne fonctionnait pas. Tout à l'heure le micro ne fonctionnait pas, c'est pour ça que j'ai un petit peu de retard. Normalement, j'aurais dû commencer le live il y a au moins une demi-heure. Mais voilà, j'ai des problèmes de micro qui commencent à devenir de plus en plus récurrents. Et bah, j'espère que, il va pouvoir tenir le coup encore longtemps. Bonsoir, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes à la moitié de la semaine, mercredi, hein, qui dit mercredi dit la session de rétro gaming. Et puis bah ouais, c'est pour ça que je voulais commencer le live un peu plus tôt, parce qu'il y avait quand même des jeux sympas à vous présenter ce soir. Ce soir je vous présente un 3 jeux. Je vous présenterai 3 jeux. Hein, comme la semaine dernière, je vous ai présenté 3 jeux. Là, il y aura 3 autres jeux et nettement plus sympa. Bon, la semaine dernière, il y avait quand même Noble Racing, c'était une surprise qui était quand même assez sympa, hein, comme je vous avais dit. Bon, Formula One 2002, ouais, vraiment pas terrible, c'était celui que j'aurais dû mettre en premier. Et il y avait eu le Crash Twinsanity. Vous vous rappelez Crash Twinsanity? Il était vraiment super. Voilà, ce soir, justement, on va continuer sur la lancée. Je vous l'avais dit. Personnes qui n'étaient pas là lundi, qui n'ont pas regardé le replay, j'avais dit que je vous balancerai encore 2 autres crash. Je vous avais dit aussi, je vous avais expliqué, ce soir ça va être un petit peu particulier puisque je ne vais pas faire en fonction des notes, des évaluations que les jeux ont eu, sachant qu'il y a 2 jeux crash que je vous présente sur les 3. Donc je vais séparer les 2 jeux, hein, comme je vous ai dit lundi. Et j'en mettrai un troisième à la place, en deuxième position. Le moins bon sera en deuxième position, si vous voulez. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite les présentations par ce petit jeu. Voilà. Donc, premier crash. Le premier crash. Crash, je ne sais pas si vous pourrez le voir. Elle va pas faire sa mise au point. Sont capricieux. Mon matériel est capricieux en ce moment. Mais bon, tant pis, je vais vous le dire. Il s'agit de Crash Génération étant. Parce qu'au final, j'ai pas ma boîte de chat à côté, tant pis. Crash Génération Mutant. Ça sera le premier Crash. Je l'ai mis en premier parce que des 2 Crash, c'est celui qui a été le moins bien évalué. Mais bon, à un point près, je crois. Donc. autant dire qu'ils sont à peu près, enfin ils seront du même acabit tous les deux. Mais bon, en attendant, qu'est-ce que Crash Génération Mutant? Crash Génération Mutant, c'est un jeu d'action, je dirais même action plateforme, sorti le 31 octobre 2008 sur Xbox 360, Nintendo Wii, Nintendo DS, PlayStation 2 et PSP, PlayStation Portable. Super. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il a été édité par Sierra, on l'a vu, hein, je vous l'ai montré peut-être tout à l'heure sur la jaquette, on le voit un petit peu là. Nous sommes piquer, voilà, là, Sierra. Enfin, donc c'est peut-être les meilleurs jeux Sierra au final. C'est peut-être les meilleurs jeux Sierra auxquels j'ai joué. Honnêtement, le Crash Twinsanity, c'était un jeu Sierra et au final c'était pas dégueulasse, vraiment appréciable. À voir celui-là, mais je crois que. Ouais, ça va confirmer un peu la même lancée que Twinsanity. Et développé par Radical Entertainment. Alors ça, je regarde vite fait si c'est bien. Oui, Radical Entertainment. De toute façon, vous avez peut-être vu sur les petites miniatures, hein, les petites intros qu'il y a sous ma tête. C'est indiqué, ça risque d'être indiqué. Il est jouable jusqu'à 2 joueurs. Il est jouable jusqu'à 2 joueurs. Donc ça, c'est super. Et alors si je peux vous le dire aussi, le jeu est en français. Le jeu est en français, mais je ne sais pas si c'est les voix et les textes qui sont en français ou seulement les textes. Bon, les voix sans le texte, ça ferait chelou. Honnêtement, j'ai jamais vu un jeu francisé au niveau des voix et textuellement anglais. Mais là, c'est, je pense que, ouais, les voix et les textes, au moins les textes sont en français. Je sais plus ce que j'avais à dire là-dessus. Non, bah, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Ça, c'est pour le premier jeu. Le premier jeu. Alors attention, hein, je vous le répète, c'est pas le moins bon.
Hein. C'est celui qui aurait dû être à la deuxième position. En fait, j'ai inversé le premier et le deuxième jeu. Puisque le premier jeu aurait dû être celui-là, s'il n'y a pas eu deux crash. Donc, Hugo. Hugo, mon cher ami Hugo, qui voulait absolument des jeux à la Dora et compagnie. En voilà un pour toi. En voilà un pour toi. Je sais que tu seras... Enfin, je doute que tu vas être là ce soir. Mais si tu regardes ce live... Eh bien, un petit clin d'œil, hein, mon cher ami. Il s'agit d'Alexandra Lederman, le Hara de la vallée. Eh ouais. Oh, attention, c'est mon premier jeu Alexandra Lederman. vous rappelez bien... Je sais plus c'est quand, c'est fin de moment, j'avais testé le jeu... le challenge équestre de Lucinda Green, qui était plutôt correct. Qu'est-ce que c'était le concurrent? C'était pas Ubisoft hein, qui avait fait ça. C'était pas Codemasters. Je me rappelle plus qui avait fait le challenge équestre de Lucinda Green. Mais en attendant, c'est le concurrent. Hein. Donc, je crois que c'est un studio anglais qui avait fait le challenge équestre. Enfin bon, je vais pas chercher plus loin, sinon on a pour toute la soirée. Qu'est-ce que Alexandra Lederman, le Hara de la vallée, hein, bien sûr. Eux, ils indiquent que c'est un jeu d'aventure sport. Ouais, c'est peut-être plus. Ouais, c'est de la simulation tête de cheval. Hein. On s'occupe d'un bestiau et puis on lui fait progresser, on lui donne de l'endurance. C'est ça. Hein. C'est un peu un Tamagotchi version PS2 avec des chevaux. Donc c'est pas des animaux virtuels. Enfin, si c'est virtuellement, mais ils sont dans la vraie vie, les chevaux ça existe, les Tamagotchi en vrai ça n'existe pas. Voilà. Il est sorti le 25 octobre 2007 sur Wii, PlayStation 2 et PSP. Bah voilà, pas de bol, hein, les joueurs de Xbox, vous ne pouvez pas jouer avec Alexandra. Voilà, vous ne pouvez pas jouer Alexandra, dommage. Vous loupez quelque chose, cher joueur de Xbox, vous ne pourrez pas monter Alexandra Lederman. Vous ne pourrez pas monter le cheval d'Alexandra Lederman. Voilà, je voulais vous dire. Il a été édité et développé par Ubisoft, Cocorico. Il est jouable en solo. Par contre, moi je vois les textes sont en français. Bon, bah là pareil, je vois le petit drapeau français hein, sur la boîte. Rejoins vite le club Alexandra Lederman. Donc, comme il a été parrainé par Tefou, hein. L'émission qui est pour les jeunes sur TF1. Fan de le magazine, il a été édité. Alors, je sais pas si je peux vous montrer, peut-être, parce que c'est pas très vrai. Je mets mon doigt pour... Attendez. Non, évidemment, c'est l'autre côté. Vous voyez ça, fan de... Alors, fan de... Qu'est-ce que c'est ça, déjà? Je me rappelle plus la présentatrice. C'était une émission sur... Alors, on voit, c'est vraiment flou, hein, saleté de caméra. C'était une émission, ouais, beaucoup. C'était pour les filles en fait. C'était une émission, je crois que ça n'existe plus. C'était une émission pour les filles sur M6. Voilà, c'était la petite information de culture générale. Ouais, si on peut dire ça comme ça, c'est la culture générale. Il a eu la note. Oui, je vous avais dit les notes peut-être sur Crash Bandicoot. Ah non, je vous avais pas dit les notes sur Crash. Bon, je reviens un petit peu en arrière, je rembobine. Le Crash Génération Mutant, le testeur de jeuxvideo.com lui a attribué la note de 13 sur 20. On a 40 joueurs qui lui ont attribué la note de 13,5 sur 20, ce qui est plutôt correct pour un jeu, franchement, surtout Sierra. Encore, hein, Sierra, on fait beaucoup de jeux vraiment gnangnang, un peu lourd à digérer. Mais là, franchement, 13 sur 20, autant dire qu'on peut mettre 2 points de plus, ça les vaut quand même, carrément. Et pour en revenir donc à notre cher ami Alexandra, le testeur de jeuxvideo.com lui attribue la note de 11 sur 20, ce qui est médiocre, c'est médiocre. Et on a 11 avis des joueurs, sans doute des filles, hein, parce que c'est un jeu qui est à destination des filles, honnêtement, ou alors des passionnés de chevaux, mais bon, ça peut être des filles qui vont jouer à ce type de jeu, qui lui ont attribué la note de 16,4 sur 20. Ça a remonté la note, donc j'espère vraiment que je vais me guider vers l'avis des joueuses et pas du testeur ou de la testeuse. Voilà, ça c'est pour le deuxième jeu. Alors je regarde. Salut Raphaël, c'est quoi les jeux de ce soir? Moi ça va bien et toi, comment ça va? Les jeux de ce soir,
vite fait, je passe vite fait, hein, je présente les deux premiers que t'as pas pu voir. On a, et puis là je suis obligé à chaque fois de switcher entre OBS et puis on a celui-là, Crash Génération Mutant, sorti sur PS2, PSP, Xbox 360, Wii, DS et compagnie. Et on a celui-là, Alexandra Lederman, qui est sorti sur PS2, PSP et Wii, le Hara de la Vallée. Alexandra Lederman, le Hara de la Vallée, puisque oui, Alexandra Lederman a fait plusieurs victimes sur la console, hein, sur PS2. Elle a fait quand même beaucoup de victimes, puisqu'il n'y a pas que cet opus-là qui est sorti. Hein. Il y en a eu d'autres. Je vois Crash Bandicoot et les autres, je sais pas. Alors là, il y avait Crash, ouais, c'est Crash. Alors, c'est pas Bandicoot, hein, c'est Crash, mais oui, on voit avec le Bandicoot, forcément, et c'est Crash. Donc, bah, c'est dans la continuité de Crash Twin Sanity que j'avais testé la semaine dernière. Si tu l'as pas vu, je t'invite à regarder le replay. Franchement, ce jeu, il était sympa. Et pour finir, ça va très bien. T'as passé, ouais, la semaine a bien commencé pour toi, Raphaël. Et pour finir, donc le troisième jeu. Et oui, je vous l'avais dit, il y avait deux Crash ce soir. Il y a deux Crash ce soir. Et celui-là, c'est Crash of the Titans. Je vais pas m'amuser à rapprocher la jaquette de la caméra parce qu'elle fait pas sa mise au point. Donc Crash of the Titans. Crash of the Titans, je vais le remettre dans le sens, sinon je vais mélanger avec le premier et le deuxième. Donc qu'est-ce que Crash of the Titans? Vous l'avez deviné, c'est un jeu d'action plateforme sorti le 12 octobre 2007 sur Xbox 360. Nintendo DS, Nintendo Wii, Game Boy Advance, quand même, PlayStation 2 et PSP. Il a été édité, alors là par contre c'est pareil, c'est un peu mal foutu, parce qu'ils disent éditeur Radical Entertainment, développeur Vivendi Universal Game. Pour moi, l'éditeur c'est Sierra et développeur c'est Radical Entertainment. Ah, ils sont bigleux. Alors, la semaine super bien, lundi et mardi, j'ai pas eu cours. Ah ouais? Quoi, vous avez eu de la neige vous aussi? Nous on a de la neige chez nous, là c'est blanc dehors. C'est énorme. On a un confinement généralisé toute la... Enfin voilà, franchement, on a l'impression que c'était un confinement toute la journée, parce qu'il y avait très peu de voitures qui sont passées devant chez moi. Ça fait drôle, mais bon là il y a la neige. C'est pourquoi. Vaut mieux être confiné à cause de la neige que du Covid. Je pense que vous avez le même... Vous avez la même opinion que moi. Donc ouais, hein, c'est édité par Sierra, bien sûr, et développé par Radical Entertainment. Il est jouable jusqu'à deux joueurs. Non, tous les profs étaient absents. Bah ouais, c'est ça, bah ils étaient, ouais, c'était bloqué par la... Non, ils étaient pas bloqués par la neige. Ou alors ils avaient le Covid. Enfin bon, c'est soit la neige, soit le Covid. Il est sorti donc ouais. Il est jouable jusqu'à deux joueurs. Les voix et textes sont en français à confirmer dans le jeu. Hein. J'ai pas d'infos sur la jaquette. Il y a un petit drapeau français encore, donc je suppose déjà je suis quasiment sûr que les textes sont en français. Mais à voir les voix s'ils sont en français, ce serait pas mal. Voilà. Il a eu la note, donc voilà, pour finir, le testeur de jeuxvideo.com lui a attribué la note de 14 sur 20. Savoir que le premier auquel je vais jouer, il a eu la note de 13 sur 20, donc voilà, je vous avais dit, un point d'écart. Et on a 92 avis des joueurs qui ont attribué la note de 15 sur 20, ce qui est plutôt super, hein, franchement, pour un jeu Sierra. Il casse la baraque, hein, quand même, 92 avis. Donc, normalement, il devrait être meilleur que son petit frère, parce qu'il est sorti... le premier est sorti en 2008, hein, et celui-là est sorti en 2007, un an d'écart, hein, bien sûr. Que dire si ce n'est que ce soir je vous présente que les jeux Cocorico, des jeux français, et oui, Sierra et Ubisoft, c'est français. Donc voilà, on reste en France ce soir, on bouge pas, et puis bah, on va voir ça, ce que ça donne. Allez, je passe direct parce que j'avais pris un peu de retard. Je passe au test des jeux, bien sûr. Alors, toc. Ah, évidemment. Le petit tiroir qui me pousse la manette. Toc. Allez, on est parti.
Alors, je suis quasiment sûr que ces jeux vont être super. Enfin, super. Vont être vraiment fun à jouer. Même si Crash Twin Sanity était quand même assez punitif. J'avais du mal avec le boss là. Mais franchement, c'est vraiment trippant. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il me faut du fil là. Sinon, juste vérifier si le son du. Allez, un petit clin d'œil à toi, chaton. Allez, je vais t'envoyer un petit clin d'œil, chaton. Voilà. Frisson, chaton, quand tu regarderas ce replay. Voilà, je sais que tu les attends. Allez hop, je repose les petites oreilles. Bien sûr, je n'ai pas reçu de don, hein, c'est une alerte test, hein, pour les personnes, parce que sinon à 100 euros toutes les semaines, hein, ça ferait. J'aurais même plus besoin de bosser, limite. Non, je déconne. Avec 100 euros, c'est pas possible de vivre. 100 euros par semaine, c'est pas possible. Alors, Sierra. Sierra, montre-moi ce que. Enfin, je me rappelle plus quelle note il avait eu le Crash Twin Sanity, mais je crois qu'il était un peu mieux que celui-là quand même. J'aimerais bien les avoir sur Xbox 360. Déjà pour jouer le jeu des. Parce que vous savez, sur Xbox 360, il y a des succès. Mais pour donner un petit peu plus de défi. J'aimerais bien les avoir sur Xbox 360, ce fameux Crash. Donc soyez pas surpris si un jour je joue à ce. Vous voyez jouer à ce jeu-là. Ça sent bon, hein. Ça sent bon la réussite, honnêtement. Puis les décors là, j'ai. Ouais, ça change vraiment. Voilà, je sais passer, bah non, c'est l'intro. Vous l'avez l'intro hein. Sur YouTube, bien sûr. Je l'ai passé parce que c'est pas très long, et puis voilà. Alors, appuyez sur la touche Start. On va aller voir dans les options. Écran large, non, parce qu'en fait, moi, quand je mets écran large, ça réduit mon écran. Donc, non, on laisse comme ça. Et je fais nouvelle partie. Alors, comment je m'appelle moi déjà? Allez, hop! Ah, c'est long à rentrer son prénom. Tac. Ah, bah, moi tranquille. Déjà, rien qu'en difficulté tranquille, je suis sûr que j'en bavais. Hein? Vous l'avez vu un petit peu déjà dimanche avec. Avec Killzone, hein, bon, j'avais un peu de fatigue aussi, hein, mais bon, à chaque fois je me sers sur le dos de la fatigue. Non, je le reconnais, je suis pas un très bon joueur, j'apprécie de jouer. Sauvegarde encore, ah oui, c'est vrai, j'ai oublié que la carte mémoire là, avait beaucoup de kilos de bits. Allez, on y croit. Sauvegarde réussi, ok. Bon, je zappe. Non, je peux pas zapper. Je vais faire un petit contrôle son et. Parce que j'ai pas vraiment vérifié, normalement ça va être bon. Mais bon, comme là mon micro il déconne, j'ai pas envie que ça déconne encore plus. Ouais, c'est bon. Ça fonctionne. Enfin, je sais pas si c'est mon micro ou si c'est. Peut-être la prise jack de mon PC, mon PC, enfin mon portable, il prend de l'âge.
C'est pour ça que je dis, j'espère qu'il va me tenir encore longtemps ce portable, parce que je sais pas comment je vais faire pour faire mes streams. Ok. Donc, bah ça change, on n'est plus sur la plage. C'est quoi ça? Faut sauvegarder? Je suis un peu surpris. Ah non. Je vais faire retour, je vais sortir de ma cabane, je vais voir. Il y a peut-être des choses à voir. J'ai l'impression que là, c'est pour commencer un niveau. On va faire son curieux avant... Parle à Croco. Ah non, à Coco. Là, c'est pour sauvegarder, c'est quasiment sûr. Ouais, vas-y, des billes. Alors, graphiquement, ouais, toujours, toujours beau. Hein. C'est vrai qu'ils ont bien géré Sierra. Hein. Voilà. Chapeau. Donc là. Oh non, j'ai pas commencé à vouloir bailler quand même. Je m'empêche de bailler. Donc il n'y a pas de système de gestion de caméra hein, avec le joystick droite, malheureusement. Je vais retourner à la cabane, je vais voir ce que c'est le truc rond. Avec le livre, ça c'est, ouais, c'est pour sauvegarder, c'est quasiment sûr. On voit une disquette, c'est une sauvegarde. Ne pas oublier de sauvegarder de temps en temps. On va voir ce que c'est ça. Ah, c'est des dessins. Est-ce que c'est des dessins de vrais enfants? Ou c'est eux qui sont amusés à dessiner comme des enfants pour... Je sais pas. Là, j'aurais bien aimé savoir, mais bon, peut-être qu'on peut avoir l'info sur internet. Hein. J'ai pas le temps de chercher, moi, hein, pour savoir si. Sinon, j'aurais fait quelques recherches, mais ouais. Alors. Mais je vous invite, hein, si vous êtes vraiment curieux, à voir si ce sont des dessins d'enfants qu'ils ont reçus ou si. C'est eux qui sont mis à la place d'un enfant et qui ont dessiné comme des enfants. Donc là, en fait, j'ai même pas vu, on peut passer derrière. Normalement, on peut pas aller dans la flotte. Bon, là, je m'éloigne du... De toute façon, ça va être fermé. Ok. Par contre, je comprends pas. Quand je fais carré, normalement, Crash, quand je fais carré, il fait la roulade. Et là, vous avez vu ce qu'il fait quand je fais carré? Il tape. Il fait pas la roulade comme moi. Donc là, par contre, c'est vrai qu'il réagit pas. Il fait la roulade comme ça. Donc là, je sais pas, j'ai un masque qui doit protéger. C'est vraiment très différent parce que même au niveau des attaques, c'est pas tout ça. Bon, à mon avis, je dois aller voir truc là. Oh, chose stupide, marche. Waouh, faudrait vraiment nettoyer cet endroit, les enfants. Ça fait au moins des années. Qui va nous forcer? Toi? Ça m'étonnerait. Ok, je vais juste lancer quelques accroches. Buvez de la limonade, vitamine C. Ah, c'est chaud, chaud, chaud. Je t'ai eu. Les voix sont en français, hein. Donc ça, c'est super. Si j'arrive.
arrive à faire marcher l'œil du Dominator, ça sera le meilleur système de loisirs de tous les temps. Il fera fonctionner les jeux, téléchargera des films et distribuera du beurre. La mère de toutes les télés. Ça me semble pas mal. Du beurre? Où vais-je trouver ça? Carte de mémoire. Embrouillé. Où puis-je trouver ça? Crash, pour faire fonctionner cette chose, j'ai besoin de pièces. Voici une liste. La première est le capacitron près de chez moi. C'est vraiment... Vous avez vu le dessin animé, quoi. Il est vraiment bien fait, quoi. Graphiquement, le jeu est beau. Il est très très beau, hein, je trouve. Il est vraiment très beau. Je suis vraiment... C'est un jeu PS2, bon, en 2007, on dirait aussi. Non, 2008, celui-là. 2008, donc ouais, la PS3 était sortie, mais il est pas sorti sur PS3, il est sorti sur Xbox 360. J'ai vraiment envie de voir comment il est sur 360, mais... Est-ce qu'il serait plus beau sur 360, je sais pas. Mais en attendant, là, je le trouve vraiment magnifique. Hein. Encore, on est sur PS2. Hein. Ah, il va dans la flotte, hein. Alors là, je savais pas, là, c'est tout nouveau. Non, franchement, il marque des points, hein, Syra. Je sais pas s'ils en ont ressorti d'autres, des jeux. Ou alors ils se sont peut-être fait racheter l'album. Leur studio a peut-être été racheté, parce que j'ai plus de déco, moi. Sur PS4, par exemple, il n'y a pas eu de jeu. PS4 ou Xbox One, pas de jeu a été sorti. Hein. Made in Syra. Et bon, après, ouais. Je sais pas s'ils ont fermé le studio volontairement ou pas, mais en attendant, s'ils ont fermé sur ces opus de Crash là, bah ils ont terminé sur une note, une bonne note, quoi. Enfin, c'est vraiment bien, bien, bien. Ah mais non. Ah mais à chaque fois, par contre, c'est le problème, enfin, déjà le point négatif là pour l'instant, c'est la gestion de la caméra, quoi. Ah d'accord, ok. Donc en gros, la roulade, il faut tourner le stick. Fais vite et casse des choses. Oh, les bruits, ça fait penser, quand ils récupèrent les orbes, ça fait penser un petit peu à... Vous entendez le petit bruit quand ils récupèrent les orbes bleus, toujours? Ça fait penser à... À Pandemonium. Je sais pas si vous avez connu Pandemonium, c'est un jeu PS1. Et... c'est pareil, quand ils récupèrent les items, pareil, une sorte de orbe. Et c'était ce bruit-là. Pour l'instant, il a du tout bon, limite, hein, Crash. À part la gestion de la caméra, je vais pas trop en tenir rigueur. Hein. Sur PS2, c'était pas quelque chose qui était très très... qui se démocratisait vraiment par rapport à la Xbox. Donc c'est pour ça, c'est dommage qu'il soit pas sorti sur Xbox. Il est sorti sur Xbox 360. Mais peut-être que sur Xbox... Non, je pense pas que sur Xbox. Ça va faire un peu archaïque, par contre. Ok. Ah, c'est magnifique, c'est... Ouais. Ouais, sur Xbox, ça risque d'être un petit peu... Ça peut être pénalisant, par contre, sur Xbox, de pas avoir la gestion de la caméra avec le joystick droite. Sur PS2, c'est pas gênant, puisque voilà, comme je disais tout à l'heure,
c'est pas quelque chose qui se démocratisait beaucoup, c'était plus sur Xbox première du nom. Par contre sur PS3, oui, effectivement, ça... Il y avait cette gestion de caméra avec... Merde, je suis mort. C'est pas grave, on recommence. Hein. C'est pareil, la vie, je sais pas, il n'y a pas de vie. J'ai pas trop risqué de récupérer les... Pour faire ton attaque tourbillon classique, fais tourner rapidement le joystick analogique gauche. Tourbillonner est une excellente attaque et un moyen rapide de collecter le mojo. Ok. Merde. Pour faire un saut tournoyant et aller vraiment haut, fais tourner le joystick analogique okay. Et appuie sur la touche X. Ça commence, les phases de plateforme. Je prends les petits machins, mais bon, je sais pas à quoi ça sert. Ce truc-là. Ah punaise, mais non. Moi, c'est bon, je recommence de là. Ah, ils font pas de cadeaux, quoi. Bon, apparemment, je peux pas aller. Oh, l'hélice. Non. Ah, je peux sauvegarder. Ouais, c'est bien. J'essaie de faire un niveau et puis après je ferai comme la semaine dernière. Sinon, quoi que je me couche tard ce soir en plus. C'est pour ça que je voulais commencer le live plus. Mais voilà, à cause du son, quoi, c'est abusé. Parce que je risque d'avoir du verglas demain, faut que je me déplace. Et forcément, faut que je parte un peu plus tôt. Donc ça veut dire qu'il faut que je me lève plus tôt. Et ouais, j'aurais bien. Sinon, j'aurais continué le live jusqu'à 11h sans problème, mais là, si je pouvais terminer avant 11h. Allez! Je sais pas ce que c'est ça. D'accord, ok, ça va vite. J'ai tout cassé! Crash, tu dois tourbillonner au-dessus de cette chose pour qu'elle fonctionne. Mais je crois savoir que tourbillonner, c'est ton truc. J'ai bien une jauge de santé. Hein. Mais faut que je regarde si c'est pas les orbes roses qui me donnent de la vie.
ces poupées vaudou déverrouillent des récompenses spéciales. Collecte-les toutes pour des tas de cadeaux sympas. Ok. Crash, voilà un endroit où il serait utile de réaliser un tourbillon foreur. Essaie pour avancer. Donc c'est complètement différent du Crash to Insanity. Hein. Mais c'est vraiment pas mal fait. Hein. Ah rien. Merde. Je voulais pas aller trop loin. Les bandicoots sont très forts pour creuser, et tu ne fais pas exception à la règle. Quand tu vois des endroits où creuser, comme ici, fais tourner le joystick analogue Crash, tu as déverrouillé une amélioration du tourbillon. Tu peux tourbillonner plus longtemps avant d'avoir la tête qui tourne. Ah ouais ? Ça c'est nouveau ça. Quand tu ne peux pas creuser plus loin, effectue une attaque tourbillon pour ressortir. Alors. Bon. Donc en fait, les orbes bleus, c'est pour améliorer les capacités de Crash. Merde. C'est où que je dois aller là? Tchoum. Encore là. Ce qui est bizarre, c'est qu'on on croise pas d'ennemis pour l'instant sous terre. Je peux pas passer par là, oui, c'est... Ouille.
Il est addictif, hein, ce jeu, honnêtement. Très bon jeu. Si tu te tiens à une corniche, tu peux te laisser tomber en appuyant sur la touche triangle. Ouais, je sais pas ce que c'est en fait là. Ah, c'est ok, d'accord. Les fruits de... redonnent de la vie. Ok. Vérifie parce qu'il peut y avoir du temps des fois. Est-ce que j'essaye? Yes! 2 sur 5! Ok! Ça passe, ça passe! Une petite sauvegarde? Salut Team Dev. Oh non, ça va, tu sais, je suis toujours mon premier jeu là. Les voilà, prépare-toi. Mais tu loupes, t'as loupé un bon début quand même. C'était pas mal. T'as eu de la chance, c'est que j'ai eu, c'est que j'ai des soucis avec mon micro qui fait que j'ai commencé le live en retard. Comment ça va? Sauvegarde en cours. Allez, voilà, ok. Alors, je sais pas si je peux pas. Je sais pas ce que c'est ici. Je ne peux pas. C'est un fût de sac. Bon, alors faut que je les explose, les petits nains là. Tiens, karatéka, moi je te le dis, moi. Force améliorée. Ah, c'est bien. Yes. Ça va, j'ai pas bossé à cause. Ah bah c'est bien ça. Du coup t'as geeké Merde, t'as geeké du Dragon Age, t'as fait quoi là du coup? Je sais pas à quoi sert ça. Ah. Quoi ça sert? Et demain tu bosses aussi du coup ou pas? Il y a un peu de vent ici, Crash. Tu vas devoir sauter au bon moment quand le vent est faible pour atteindre l'autre côté. Je fais du Battlefield avec ma team. Ah ok, d'accord. Bah, c'est bien ça. Tu vas passer une bonne petite journée. Parce que demain, c'est pareil, le temps est pas terrible. Ah, c'est vrai que j'appréhende, parce que là j'étais en télétravail aujourd'hui, donc ça gênait pas. J'ai pu travailler chez moi. Mais là par contre, demain, je dois me déplacer et je me dis... Si les routes sont gelées, ça va être un petit peu
Ça me ferait suer, moi, d'avoir un accident. Parce que moi, j'avais eu... Bah, mardi, il y avait eu des accidents, hein, quand je suis parti, là. Quand je suis rentré chez moi, mardi, il y avait des accidents. Pour utiliser ceci, Crash, il te faudra l'aide d'un ami. Ah, ok, d'accord. Faut l'aide d'un ami. Bon, bah. Tant pis, Crash, hein, t'es nul, hein, qu'est-ce que tu veux. Allez, hop. Excellent. Nous avons toutes les pièces. Mission terminée, mais non, j'ai envie de continuer le jeu, là. Cette grotte est un raccourci pour rentrer, Crash. En avant. Ouais, justement, ouais, la neige ne tombe plus, mais la neige, quand ça fond, ça fait de la flotte. Et quand il y a des températures négatives, forcément, ça fait du verglas. Et qu'on soit à pied ou en voiture, et bah, clic. Bah, c'est vrai que là, j'apprends, ça me ferait suer, quoi. Il reste demain, vendredi, je suis en télétravail aussi, donc. Ça m'embête pas plus que ça, pas à la coco. Bon, bah, du coup, moi, ce que je vais faire après, là. Je vais peut-être changer de jeu. Je vais parler à Coco. Je vais changer de jeu parce que sinon je vais me coucher tard. Ça me ferait suer de me coucher tard. Soir. Bah j'aimerais bien mais j'en ai pas. Toi qui m'as fait essayer un jeu là en PED là. En PET 2 là, tu m'avais fait essayer en PET 2 là, vendredi, hein, bah tu vois, hein, tu me fais porter la poisse là, maintenant il neige. Je suis sûr que c'est parce que tu m'as fait essayer en PET 2. N'aurais pas dû y jouer à ce jeu. Qui encombre votre quotidien ? Doit y avoir une solution plus simple. Et maintenant, mesdames, mesdemoiselles, mutants, je vous présente le NV. Accédez à vos fichiers, parlez à vos amis dégoûtants, regardez des films à la demande et commandez des frites. Sireux. Et ce n'est certainement pas un plan démoniaque. Que pensez de ce public? Mauvais crédit? Pas de crédit? Des habitudes répugnantes? Portez simplement ce casque. Oui. Maintenant, j'ai plus de temps à consacrer à mes hobbies comme la fauconnerie et les fromages classiques. Merci, NV, pour m'avoir apporté le bonheur technologique. Mais attention, chers amis, car ce n'est pas tout. Il reste la cerise. Oh, c'est pas grave. Tu m'as fait découvrir un bon petit jeu quand même. Je regrette pas. 11 000. Je comprends pourquoi t'as chopé les. T'as les trois d'ailleurs. Monsieur, je vous demande pardon, mais je pense avoir une carte défectueuse parce que... elle ne marche pas! Je vous annonce avec une immense joie que ce magnifique produit sera distribué aux habitants de l'île de Wumpa gratuitement! Par l'équipe à qui l'on doit la cuillère électrique, ainsi que ça ne peut être que Tolstoy, appelez maintenant et vous recevrez aussi une barbe en canette. Un problème? Pulvérisez des poils dessus! Les yeux perdus dans les lumières dansantes, regardez et rêvez, regardez et ouais, rêvez. Non, je veux bah, pas que celui-là aussi, je vais aimer le Tony Hawk aussi. Waouh, ce truc est incroyable. C'était pas mal le Tony Hawk, ça m'a rappelé des souvenirs. Ouais, des jeux, des messages, un jeu de lumière. Donc là, ce que je vais faire, je vais sauvegarder et puis je vais changer de jeu. Franchement, il est super. Ce jeu-là, je te le conseille. Hein. Team Nev, je te le conseille ce jeu. Honnêtement, il est vraiment sympa. Espèce. Nouveau message. Ah, Duncan ! Oh mon dieu, quelqu'un nous a envoyé des NV. Après, il y a le Sonic aussi qui était sympa, mais j'ai peut-être moins accroché le Sonic au final par rapport à. Ouais, ça fait Matrix. C'est super génial. J'envoie un SMS à Crunch. Je viens de recevoir un message de Coco. Je vais lui répondre. Je crois que ça ne te ressemble pas, Crash.
Je vais être honnête, je ne vois pas où est le problème. Putain, mais le petit dessin animé, vous avez vu, hein, il est vachement... Par minute du temple solaire. La qualité est vraiment très propre, hein, l'image. J'ai oublié ce que je voulais dire. Attendez, je sais. Tuer les bandicoots violemment, sans pitié. Allez tout le monde, on a de la compagnie. Va pas répondre, je surveille les singes. Regarde le singe. Oh, dans la bouche. Tu as dans ton pacifiste monde. Sur Sonic en plus. C'est quoi ça, pacifiste? Engine s'est enfui. Il faut le retrouver, Crash. Ouais, mais là, si je continue à le retrouver, si je commence ça, je m'arrête plus là. Nouvelle mission, voilà, c'est ça. Allez, on sauvegarde. Malheureusement, bah, de toute façon, je pense que ça va être un des jeux que je pourrais reprendre en série. Mais là, franchement, oh, ce jeu est génial. Et encore, c'est pas le meilleur. C'est pas le meilleur Crash que je vais tester ce soir. Le troisième, il va être bon aussi, je pense. Faut que je vous donne envie de l'acheter, ce jeu. Voilà, faut que je vous donne envie de l'acheter. Les yeux fermés. Bon, alors, je vais quitter. Il est vraiment super, ce jeu. Ouais, non, mais j'ai enregistré. Allez, tac, on est parti pour le deuxième jeu. Alors attention, c'est pas du tout la même chose. Tu as joué la non-violence. Tu peux faire... Ah, d'accord. Ah oui, c'est vrai, ouais. Bah ouais, parce que moi, je voulais... En fait, en gros, ce que j'ai fait, j'ai voulu, rusher. Voilà, c'est tout. J'ai un rusher. En fait, je suis rusher, mais en même temps, je suis, un... Mince. Comment on disait ça, déjà? C'est... Ah, je cherche le terme. Le gars qui fonce dans le tas, là. Mince. Je ne me rappelle plus. Un tankiste, voilà ça. Je suis un rusher, mais je suis aussi un tankiste. Voilà. Bon... Allez, on change de registre et puis on reviendra sur Crash comme promis à la fin, de, enfin en deuxième partie. Bon là c'est pareil, enfin voilà, vous inquiétez pas, celui-là je vais pas m'attarder plus que ça. Honnêtement, c'est peut-être oui, ouais. C'est le seul jeu de sa catégorie ce soir, mais c'est pas grave. Allez, un petit clin d'œil à Chaton. Ah, je vais juste vérifier si on entend bien, parce que des fois on entend pas bien. Allez, petit clin d'œil à toi, chaton. Ah. En fait, je voulais mettre le micro pour que vous entendiez, j'ai l'impression. Alors, j'ai gagné un E. La meilleure note en partant de la fin, tu te rends compte? Et je suis sûr que tu n'as jamais fait ça. Alors, en français, oui, on le fait en français parce que c'est un jeu français. On va pas lire le truc de sauvegarde parce que ça sert à rien. Ok, lorsque l'icône suivante, ok, vérification de la carte mémoire, ok. Le blabla quotidien, on sait. On va pas s'amuser à lire. On signe pas un contrat non plus, hein. La petite miniature, hein, la petite intro, vous l'avez sur YouTube aussi. Appuie sur tout start pour continuer. Ok. Ce logiciel ne cherche pas à fournir de conseils vétérinaires, ni de conseils sur l'attitude à observer avec un cheval ou un poulain. Il est déconseillé d'agir avec un cheval ou un poulain en fonction des seules informations fournies dans ce jeu.
Attention, hein, c'est pas une formation. Hein. On vous forme pas pour être vétérinaire de cheval. Hein. Nouvelle aventure. Oh, quelle magnifique musique de film. Ah la vache. Sélectionne d'options. Volume sonore. Vibration, contrôle, format d'image, crédit. Ok, bah retour. Alors, nouvelle aventure. Oh ouais. Alors, comment s'appelle ta jument? Je sais pas comment on l'appelle, la jument. Ouais, la prochaine fois, faudra me dire quand est-ce que tu veux. Sachant que, ouais, vaut mieux peut-être le vendredi. Quoique, non, je pourrais des fois être en semaine. Je te dirais, dans 15 jours, moi, j'aurai plus de disponibilité. Même en semaine. Comment s'appelle ta jument? On va l'appeler Justine, tiens. Justine la jument. On va l'appeler Justine. Je sais pas s'ils font les caractères spéciaux. Non, je pense qu'elle va pas être violente. Ah oh, punaise, quelle idée de mettre un alphabet comme ça, quoi! On va l'appeler Justine. Justine. Salut, Justine. Justine. Voilà. C'est bon! Cerise, pourquoi cerise? Justine, c'est nous, ton convertil? Bah oui. Pourquoi cerise? Cerise de la jument? Sauvegarder la partie avec ses kilos de bites? Bah oui. Non, moi je l'appelais Justin. Box 1 vide. Bah ouais. Ça va pas partager son truc. Elle va pas partager son truc. Et tu sais que, au fait, tes petits cannelés là, il en reste plus que deux, si tu veux, hein. Fais gaffe, parce que d'ici la fin de la semaine, il n'y en aura plus, hein. Et c'était trop bon. Tout parti, là, ouf. Ah, je te dis, tu vas me faire la prise de poids. Ah, par contre, graphiquement, là, c'est pas beau. Au feu! Quoi? Où ça? Où ça? Allez, viens me donner un coup de main. Les chevaux préfèrent quand tu t'occupes d'eux. Oui, j'arrive tout de suite. Ah bah ouais, j'en mangeais deux par jour à peu près. C'est déjà pas mal, en plus du dessert, bien sûr. Il n'y a même pas besoin de café. Objectif, parler à oncle. Merci de m'avoir dit ça. Oh, regardez comment elle est belle, la ferme. Salut la poule, je peux pas te... Allez, casse-toi le poulet. Allez. Viens la poupoule. Putain, elle a peur. Elles font drôle de bruit, les poules, je trouve. On dirait à moitié des dindes, des dindons, limite. Bon, c'est pas grave que je vais aller entrer. Alors, comme le challenge équestre de Lucinda Green, Alexandra Lederman commence forcément dans un haras ou dans une ferme. Tu veux pas avoir une rousse aux yeux verts? Non. T'aimes bien les rousses aux yeux verts? Excuse-moi, oncle Dylan. J'étais tellement fatigué hier que je me suis endormi sur le canapé. Feignasse, va curer le cul des chevaux. Tu es parti te balader avec Justine. Ah bah non, c'est Dylan, c'est vrai. Désolé. Tu es parti te balader avec Justine et tu n'as pas l'heure passée.
ou l'heure passée. Vu, oh punaise, le V est tellement... enfin, moi j'aurais dit un OU, hein, on dirait plus un O qu'un V. Oh la vache. Tu me connais par cœur, je n'ai pas pu résister. D'accord, je fais juste attention à ne plus rentrer si tard, je me suis un peu inquiété. Ah ouais, ça se voit, ouais, il est vachement inquiet. Oula, mais bonjour. Ah ouais? Bah il y en a, non? Dommage, je n'en connais pas de ronces aux yeux verts. Je ne connais pas de ronces aux yeux verts. C'est chaud quand même. Et une personne qui se teint les cheveux en roux, une personne qui a les yeux verts, mais qui n'est pas rousse, mais qui se teint les cheveux en roux, non, ça te convient pas. Ne t'en fais pas, Ne t'en fais pas. Et puis, je ne suis pas seule, j'ai Justine avec moi. Ouais, c'est vrai. À ce propos, j'aimerais aujourd'hui revoir avec toi les gestes pour diriger ton cheval. Allez, en selle. Ah, mais il m'a traumatisé. C'est l'âne, Dylan. L'âne. C'est la fatigue, ça revient. Hein. Je deviens des fois... Fais quelques pas à Justine. Avancez. Hop. Allez. C'est bien. Elle pour tourner à droite. À droite. Gentil. Hop. Gentil le cheval. À gauche. Ouais, je sais les parler les chevals. J'ai monté à cheval hein, l'année dernière. Je sais qu'il faut leur parler, dire c'est bien. Attention. Gentil chevaux. Cheval. Ça a son charme, mais je préfère les cheveux au naturel. Ah, d'accord. Bah, c'est chaud, hein, quand même, c'est rare. Je pense que tu auras plus de chances de trouver une personne qui a les yeux verts et qui peut se teindre les cheveux en roux qu'une rousse avec des yeux verts. Et non, je pourrais pas la changer, là. Comment elle s'appelle, Lily, c'est ça? Allez, le cheval, allez! C'est bien! Continue, n'oublie pas de t'arrêter au portail, sinon je vais passer à travers. C'est bien, tu auras une carotte. Tu te débrouilles très bien. Ouais, je sais, les chevaux ils vont bien. Le meilleur moyen pour te rapprocher d'un cheval, c'est de pratiquer avec lui le débourrage. Ouh, oh, oh. Ça me ferait sûr de le faire, lui débourrer le cheval. Moi, je suis pas là. Hein. Si vous débourrez le cheval, je me casse. Ça a adobé. Hein. Le débourre quoi? Enfile tes gants et une tenue de protection. Ça va chier. Le débourrage. C'est la première étape de l'éducation de ton cheval. Oh bah punaise, ils auraient pu choisir une autre étape, quoi, je sais pas. Oh la vache. Autrement, une bonne brune aux yeux couleur ambre. Ah ouais. Oh, t'es difficile, toi. Difficile, hein. Eh, tu vas te dégoûter, enfin, tu vas te dégoûter. Moi, j'ai eu que des copines avec des yeux verts, mais pas une seule. Ah si, j'en avais une qui était rousse, tiens. Ah si, j'ai une copine qui était rousse. Enfin, une ex-copine qui était rousse, mais elle se teintait les cheveux, elle, par contre. Elle a quel âge, elle a... Est-ce qu'elle est célibataire? Elle est célibataire, et elle a 30... Elle est plus âgée que toi, mon gars. Elle a 36 ans. Grâce à cela, tu vas pouvoir renforcer tes liens avec Justin. Il existe plusieurs méthodes de débourrage. Personnellement, je n'en connais qu'une seule. L'inventeur de cette méthode était un très grand champion équestre. Oh punaise. Oh punaise. Tu sais, celui dont je t'ai déjà parlé. Ouais, celui qui pue la merde de très loin. Grand. Exact. Cet homme a révolutionné la manière de communiquer avec les chevaux. Je le respecte beaucoup. Ça, j'ai remarqué. Tu n'arrêtes pas d'en parler. Oh punaise.
Il reste pour moi le plus grand champion équestre. Mais revenons à l'exercice du jour, le jeu de la confiance. Ah, j'ai fait oublier. Sur le tableau des écuries, tu trouveras des informations sur chacun de tes chevaux. Nom, race, compétence, s'il est ou non débourré. Moi, je suis pas débourré, je suis juste bourré, en fait. C'est pas grave, hein. C'est ça, débourrer le cheval, aussi, hein. Soit c'est... lui débourrer, c'est... pour moi, débourrer, c'est quand il est constipé, quoi, qu'il faut lui enlever le truc, quoi. Enfin, vous savez, hein, je vais pas faire un chemin. Parce que sinon, quand on est... quand on... C'est l'ébriété, sobre... voilà, être sobre. On ne peut pas dire qu'on est débourré. Quand on est bourré, on ne peut pas être débourré. Voilà. De l'alcool, on dit pas je suis débourré, on dit je suis sobre. Donc là... La chance, je vais sur mettre en deux pour la différence d'âge, ça va. Ah, ouais. Bah... Ouais, je pourrais te présenter à elle, si tu veux. Elle est pas très grande, mais elle est très gentille, elle a un bon cœur. Ouais, peut-être que vous entendriez bien. C'est très important de consulter les informations concernant ton cheval au fur et à mesure de son évolution. Ici, on peut voir en consultant la carte de Justine qu'elle n'est pas encore débourrée. Ah ouais, elle est pas mineure, elle est encore mineure, quoi, Justine. Pas bourrée, on peut pas la débourrer si elle est pas bourrée. On va sortir d'un recourant. Je sais que là, elle est célibataire. Maintenant, allons voir Justine. Elle nous attend dans son box. Pour accéder au box de Justine, utilise le tableau des écuries. Tu pourras alors commencer son débourrage. Mais je te dis qu'elle est mineure, elle a pas bu d'alcool. Alors, objectif débourrer Justine. Oh mais non, mais attendez. Utilisez. Alors, pauvre Justine. Je suis désolé, je vais devoir te débourrer. Débourrage, ok. Je suis désolé, hein, mais bon, je suis pas non plus. C'est pas parce que j'ai fait du cheval l'année dernière que je suis un pro. Hein. C'est juste que j'ai fait un tour de cheval pendant une heure et demie, je crois. Mon cul s'en souvient un petit peu. Jeu de la confiance. Mémorise l'ordre d'apparition des zones sensibles du cheval. Caresse les zones dans l'ordre de leur apparition. Pour caresser une zone, déplace ta main avec elle. Puis maintiens, croix enfoncée. Tu dois réussir à vider complètement la jauge de stress avant la fin du temps imparti. Ouf. Le but de cet atelier est de montrer au cheval qu'il n'a rien à craindre de toi, qu'il doit avoir confiance. Moi, je lui donne une carotte, il serait content, le cheval, c'est pareil. Caresse les zones sensibles de son flanc en respectant leur ordre d'apparition. Putain, qu'est-ce qu'il est bien fait, le cheval. Oui, ben ça, je sais. 3, 2, 1, go, c'est parti, caresse le cheval. Partez, caresse le cheval. Ouais, c'est à sa faute. Mon chat a son quart d'heure de folie, il court partout. Bah c'est pas vraiment une heure. Lorsque tu caresses Justine, comme il faut, tu peux voir son trait diminuer. Ah bon, ouais, bon allez, putain. Ah oui, d'accord, ça y est, faut caresser le fion maintenant. Gentil cheval. Hop. Ouais, vous avez vu, il a fait. Hop, la panse, bah ça c'est important. Mais là encore, c'est pas compliqué, il y a que 3 points. Il y aura encore plusieurs points, ce serait plus rigolo. Oh non. Oh, bah. Un peu trop facile. Il est déjà 10h30, c'est ça. Félicitations, tu as réussi à mettre Justine en confiance. Tu peux à présent sortir du ranch avec Justine. J'ai même pas vu qu'il était déjà 10h30, quoi. C'est énorme, ça passe trop vite. Tant pis, je pense que le live va durer... je vais m'arrêter après 23h. Parce que le jeu d'après, il est trop bon, donc. Puis là, c'est long, en fait. Ce genre de jeu, ça peut être marrant, mais c'est trop long, les explications.
C'est vrai que le cheval est bien. Bah moi j'en ai fait et franchement c'est... Pourtant j'étais pas habitué au cheval. Hein. J'étais pas très... Moi c'était ouais les petits chachas machin et tout. Mais par contre, une communion avec le cheval c'est autre chose. Parce que c'est très très fidèle même... Enfin bon, après ça dépend des chevaux. Hein. Moi celui que je connais, que... Bah, ou qui m'a baladé, parce que c'est lui qui m'a baladé, clairement. Il avait pas peur de moi, il avait confiance en moi, et puis bah, au final, y a un lien amical quoi, qui se met, mais c'est énorme. Et on s'y attache à ces bébêtes amicales. Bravo, c'est le début d'une grande complicité entre vous. C'est vrai qu'elle a l'air plus calme, c'est une technique très efficace. Tu commences à comprendre pourquoi j'admire Grand. À présent, il faut soigner Justine pour qu'elle se sente mieux. Je vais t'expliquer en quoi consistent ces soins. Ouais, mais je vais peut-être sauvegarder avant. Parce que je vais peut-être changer de jeu. Ah bah, ouais, peut-être. Il en existe 4. Tu devras la brosser, la laver, lui curer les sabots, ainsi que nettoyer son bloc. Ah bon ? Il n'y a pas à curer son fion. Il faudra faire ces soins aussi régulièrement que possible. Un cheval bien entretenu sera plus réceptif à ses envies, à tes envies. Tu veux dire que Justine refusera de m'écouter si je ne m'occupe pas d'elle? Tout à fait! Si tu ne la soignes pas, Justine n'aura pas le moral et tu auras des difficultés à l'entraîner. Ah ouais. Mais tu verras, c'est très amusant de s'occuper d'un cheval. N'oublie pas que la première preuve de respect envers ton cheval est de lui apporter tous les soins nécessaires à une bonne santé. C'est très important. Est-ce que tu comprends? Je dis pas! Oui, oncle Dylan, je comprends. Alors, c'est bon? Faire les cas. Oh non, bah ça sauvegarde. Je crois que ça sauvegarde tout seul. Je vais changer de jeu parce que je pense que si ça fait comme l'autre, celui d'avant, j'ai passé peut-être 3 quarts d'heure dessus quand même. Si je repasse 3 quarts d'heure encore sur ce jeu-là, il va être 11h10 et voilà, le temps de quitter après. Je peux quitter? Ouais, quitter la partie. Bon, voilà, c'est Alexandra Lederman. Hein. C'est bien pour les petites filles. Je pense qu'il est pas, il mérite peut-être pas 11 non plus. Il a l'air d'être mignon tout plein. Il mérite pas 15 non plus. Hein, mais ouais, j'aurais mis peut-être 12-13 sur celui-là. J'ai monté à cheval quand j'étais jeune, mais dès qu'il a fallu le caresser et nettoyer son bloc, j'ai arrêté. Pourquoi? Et tu sais que moi, c'est la première chose que j'ai fait. Hein. Quand le cheval, il a fallu le brosser. Il a fallu tout ça. Bah après j'ai pas eu à nettoyer le box, mais caresser, le brosser. Après les sabots, je sais que c'était le propriétaire qui l'avait fait parce que c'était un peu délicat. Hein. Mais franchement, d'un côté c'est ce qui a rassuré le cheval, c'est ce qui m'a rassuré aussi que de monter direct. Et moi franchement, je regrette pas cette expérience. Pourtant, il faisait super chaud. C'est super chaud. C'était pas forcément moi qui aime pas la chaleur. Voilà. Mais ouais, c'était cool. C'était vraiment cool. Tac. Allez, dernier jeu et pas du moindre, puisque c'est un très bon jeu. Je le sens. Appréhension, mais maintenant je serai différent, je suis le premier à vouloir aller vers... Bah ouais, non, mais après, ouais, bah après, quand t'as... c'est pareil, enfin... C'est la première approche, parce que... Bah moi, à la fin de la balade, hein, il fallait remettre le cheval dans son enclos avec ses copains, et il y en avait, mais il y avait des chevaux qui étaient vraiment trop trop collants, quoi. Et au final, t'en approches un, puis quand tu vois que les autres ils vont pas te manger, ils vont pas te faire de mal, bah tu les caresses, et puis bah en fait, ouais, c'est comme un chat en fait. Ça te peau de colle comme je sais pas quoi, mais bon, par contre, ça n'a pas la force d'un chat, quoi, c'est beaucoup plus fort. Mais c'est très attachant comme animal, faut pas croire. C'est très. Je sais que là, ouais, si je devais voir des chevaux et tout, puis que je vois qu'ils sont pas nerveux, bah, je leur gratte la tête, forcément.
Voilà, c'était la minute cheval parce qu'on a, on a joué à Alexandra. N'hésitez pas, surtout si vous voulez que je continue Alexandra Lederman pour parler de cheval, il n'y a pas de souci. Hein, j'ai fait le début du jeu. Ou le challenge des caisses de Lucina Green, bien sûr. Il vaut mieux les caresser en vrai, les chevaux, que sur la console. Alors, je vais faire un nouveau, puisque de toute façon, ça risque d'être les mêmes options. Hein. Alors, tapez votre nom. Ah, là, par contre, je mets mon nom à moi. D'abord. Alors, pareil, ce jeu-là, hein, on le retrouve sur Xbox 360, hein, comme l'autre. Je pense que celui-là, comme l'autre, il faut se le procurer. Moi, j'aurais... Franchement, si je pouvais me les avoir sur Xbox 360, je les prends. Pour faire le défi des succès. Ah là, par contre, c'est pas tranquille, c'est facile. Vide. Ok. Tout est vide. Alors, ok, continue. Il a quel âge ton chat ? Il disait qu'il faisait le foin. On va continuer sur les animaux. Épisode 1, un bon trop loin. Eh oui, ça c'est le... Alors, pour info, celui-là, il est sorti un mois, un an avant hein, celui que j'ai testé en début d'émission. Hey, c'était pas mal. Bien, passe-moi le transclocheur. Ah ouais, à 8 ans, il fait toujours le con. Ah, vache. Ah. Eh, faut arrêter de lui mettre des excitants dans son pâté. Hein. Ah, graphiquement, il est légèrement moins beau, je trouve. Un peu plus pixelisé, celui-là. Je suis de retour. Rendez-vous à Cortex. Tu peux aller. Je t'entends pas, génie. Je suis très loin et je vole comme un planeur ou je ne sais quoi. Moi, je vais m'en occuper. Cela fait des siècles que je combats le mal. Quoi ? T'as même pas de corps ? À l'aide ! Crash ! Au secours ! Oh. En route vers un plan magnifique. Ta-da. Je vais rester ici un moment. Je vais rester ici un moment. Ok, joystick analogique gauche pour marcher ou quoi ? Utilise le joystick analogique gauche. Pour sauter, appuie sur la touche X. Appuie encore sur la touche X. Ouais, c'est le même style que l'autre quoi. Oh. Ah non, il a l'air vraiment, vraiment, vraiment bon. Par contre, on peut pas aller de l'autre côté là. Ah, il fait toujours pareil. Ah, il fait pas la roue. Il fait pas la roue. Ouais, excellent. Excellent ce petit jeu. Il y a sur PSP aussi. Comme l'autre. C'est pareil, ça sur PSP en version nomade, c'est pas... Non, ça a pas l'air de friser. Je regarde moi sur la miniature. Non, ça a pas l'air. T'as quoi comme débit chez toi? Sinon, réactualise ta page. Ça a l'air de marcher. Hein. Pourtant, mon ordinateur ne...
mon ordinateur est un peu bah un peu fatigué, hein, il a de l'âge mais. Ah non, franchement, c'est terrible, c'est. Alors. Mojo, l'essence de la vie matérialisée, collecte-le pour les des récompenses. Attention, ne pas manger peut contenir de l'arachide. Okay. Il y a eu un peu de ralentissement, ça a l'air d'être. Ah bon? Ben, je sais pas. Ah, moi, c'est plus le son qui pourrait poser problème. Toi, t'es jeu de plateforme, Team Nef, t'es chou ou quoi? C'est ton kiff ou pas? Ça va mieux? Ouais, ce jeu, c'est. Crash, appuie sur la touche carré pour casser des choses et récupérer le mojo. Plus tu en trouves, plus tu es puissant. Ok. Non, pas par là. Pas mon kiff, mais ça va et tu sais bien que... Ouais, RPG puis action aventure, quoi. C'est RPG Jap, t'es pas un gros fan si quand même. Grand fan de RPG Jap. Ah ouais. Je savais pas que t'étais fan de RPG Jap. Mais c'est vrai que l'époque PS2, c'était encore beaucoup. Bah, de jeux de plateforme. Fire Emblem, oh putain. Allez, Crash, saute avec la touche X et appuie de nouveau. Bah, par contre, t'as vu, les jeux, c'est ça, en rétro gaming. Les jeux. Et c'est ça que j'ai du mal à comprendre. Pourquoi les jeux RPG sont chers? En rétro gaming, les RPG sont chers. Parce que c'est vraiment dommage. À côté, t'as des jeux, bon, encore tout ce qui est FIFA et tout, je comprends parce que voilà, c'est des licences. Voilà, elles sont permis au bout d'un an parce que voilà, c'est plus les mêmes joueurs. Même des équipes, tout ça, mais il y a des jeux quand même qui sont pas si chers que ça en rétro gaming. Il y a des choses que j'explique pas, comme le prix des jeux sur Xbox première du nom, c'est clairement les jeux sont vraiment pas chers et pourtant c'est des titres super. C'est des titres super connus et ouais, c'est des bons titres quoi, et ils sont pas chers. Alors que sur PS2, il serait plus cher. C'est ça que j'ai du mal à comprendre. Sur 3DS et les RPG sont chers car jamais il y a du coup. Ouais, c'est pas ça, mais en rétro gaming. C'est ça que je veux dire.
Parce que moi, par exemple, il y a des jeux RPG que j'ai acheté neuf sur PS4 qui m'ont même pas coûté 20 balles, quoi. Et c'est ça qui est... Bah, c'est ça qui me surprend, en fait. Je me dis pourquoi. Par contre, on verra dans quelques années, quand la PS4 sera à l'aube d'être une console rétro gaming, ces jeux-là vont coûter bonbon. Et ça qui est chelou, quoi. C'est, je dirais, c'est peut-être le plus difficile quand tu fais de la collection de jeux. C'est justement de bien calculer ton prix d'achat pour les jeux RPG. C'est peut-être ceux-là qui sont plus chauds parce qu'ils décollent pas beaucoup. Et par contre, après, la cote remonte. Donc c'est pas évident. Hein. De trouver le bon moment pour acheter un jeu RPG. Sur des fois, faut lui mettre un peu le prix au départ parce que tu sais qu'il baissera pas plus. Pas la prendre, tant pis. Les orbes là qui sont là. J'arrive pas à prendre, c'est pas évident de sauter là sur. Ok. Moi je. Donc c'est ça l'amélioration. J'appuie sur la touche acte. Ok, bah c'est bon. Déjà que certains jeux rétro reviennent à la mode comme. Les tourne-disques, les vinyles, il y a aussi le budget. Bah en fait, il y a beaucoup de Français là qui claquent quand même pas mal d'argent en rétro gaming. Ça devient un sacré business. Parce qu'il y en a qui veulent collectionner, notamment. Il y a beaucoup, c'est pour ramasser des jeux. Mais ouais, c'est vrai que... Bah moi je suis un peu rebuté quand je vois le prix de la... Oh non. Bah ouais, voilà, c'est des collections. Si tu veux, c'est pas des... À la rigueur, j'ai collectionné... Je vais voir collectionner les titres, soit qui sont pas trop chers, des trucs assez exotiques, ou des bons titres, mais pas y mettre non plus des milliers de cents, quoi.
Là, je sais pas combien il vaut ce jeu là, par exemple, le Crash, la série des Crash en rétro gaming. Mais tu vois, un jeu comme ça, même si ça vaut 10 balles, ça me dérangerait pas parce que c'est un bon jeu. Et bon, il y a quand même, Crash, bon, c'est pas un Crash Bandicoot, donc faut savoir évaluer quoi. Et les mecs qui font leur collection, des fois j'ai l'impression qu'ils. Ils dépensent cher. Et toi, t'en as combien des jeux Xbox? Non, c'est ça. Crash, quand tu es dans les airs, appuie plusieurs fois sur la touche carré pour ralentir ta chute. Robots de surveillance des méchants. Ah bon? Détruis-les tous pour de grandes récompenses. Moi je savais pas ça. Moi je casse tout moi. Je collectionne plus de produits dérivés de séries ou de films plutôt que des jeux vidéo. Je dois avoir une petite chose avec Xbox 5. Ah ouais, c'est tout. Ah, je pensais que t'en aurais plus que ça, moi. Toi qui es un pro Xbox. Où ça pue pour moi? Ah, c'est vrai que je pensais vraiment que tu avais plus de jeux Xbox que moi j'en ai. Xbox et Xbox 360, je pensais que tu avais une grosse collection comme ça. Ah ouais, bah ça se trouve t'en as plus que ça. Bah moi je les comptabilise parce que... Sinon... J'en ai entre 20 et 30 jeux moi, sur Xbox et sur Xbox 60 en tout. Je vais avoir entre 20 et 30 jeux Xbox et 20 et 30 jeux Xbox 360. Je trouve que ouais, c'est le début, mais il y a déjà des bons titres dans mes jeux, donc là déjà je suis plutôt satisfait. Merci Crash.
Mes pouvoirs sont inutiles, sinon... La magie noire anime ces créatures. Des choses bizarres se préparent. Oh ? Oui, je sais, j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre. Un boss ? Crash, maintiens la touche R1 pour m'utiliser en parade des attaques ennemies. Essaie quand même de ne pas m'estropier. Ouais, je pensais que t'en avais plus que moi, tu vois, au contraire. Parce que t'es pro Xbox, toi, t'es un fan par rapport à moi. Moi, j'apprécie de jouer sur cette console, mais je suis plus pro Sony, moi. Alors. Oh, le méchant, pas beau. Je vais devoir l'exploser. Ouais, bah après c'est vrai que si tu bah après c'est ouais c'est c'est la moindre des choses, c'est de garder les jeux. Crash, appuie sur la touche triangle ou maintiens la touche triangle pour charger l'attaque et en avant. Ok. J'ai l'impression que je dois pas le tuer. Ah bah voilà. Allez. Oh la claque. Et Hack'n Slash, tiens. T'es fan ou pas Hack'n Slash? Pas trop. Parce que t'as un peu d'heroic fantasy aussi dans le hack and slash. Ah, j'en ai fait un là, j'en ai testé un il y a 2 semaines. Et ouais, c'était dans les pods asgariennes et tout. Oh.
Oh vache. Non. Ouais, j'avais vu, ouais. C'est pas mal, ça. Et c'est pareil, ils sont à combien? C'est pas donné, hein, les... J'ai fait là. Ah, j'ai fini la niveau. Je pense qu'après je vais arrêter. Ah, j'ai tout récupéré hein. Putain, j'ai tout récupéré là. Est-ce qu'il est 11h? Franchement, terrible ce jeu aussi hein. Bon, je vais. Non, bah, je vais voir. Alors, verrouiller. Je vais continuer. Je vais voir si je peux pas sauvegarder entre deux. J'ai pas du tout. Je m'en souviens pas. Épisode 2. Vie un autre jour. Hack and slash, tu veux dire? Bah moi je sais que j'ai beaucoup joué à Diablo 3, ça c'est un jeu que j'ai beaucoup joué, et bah après c'est vrai que le Viking là, il est, ben, c'est ni plus ni moins un Diablo, mais en version, c'est dans le même style quoi. Faut pas, c'est genre, ces jeux là sont bien, mais faut pas y jouer non plus, bah. Faut pas y jouer qu'à ça quoi, pas toute la journée, parce que sinon après tu... T'as la grosse tête et tu dis oh mais qu'est-ce que j'ai fait au fait. Bon allez, je vous mettre la petite musique. Tac. Chez Diablo 3 aussi. Ah, tu l'as sur Switch? Ouais, bah du coup bah, c'est que tu kiffes alors. Bah, j'ai Diablo 3 sur PS4 et Switch. Tac. Allez, on va éteindre la petite console. Elle a bien travaillé ce soir. Tac. Donc t'as Diablo 3. Bon, et bien voilà. C'était la deuxième. Ouais, le deuxième épisode hein, de la saison 2, mine de rien. Ça passe. Les derniers jeux, c'est les derniers jeux que je vous présente du coup ce mois-là, puisque la semaine prochaine, on commence un hors-série, on fait un hors-série hein, sur PS2. Donc je vous rappelle, n'hésitez pas à aller voir les listes, de mes jeux PS2 si vous voulez me voir streamer un jeu en particulier. N'hésitez pas, il faut me le dire avant la semaine prochaine, parce que sinon il va être trop tard. Sachant que Chaton, lui, m'a donné un petit peu ce qu'il voulait, m'a dit, hein, ce week-end, ce qu'il voulait me voir jouer la semaine prochaine. Donc pour l'instant, c'est parti pour du God of War. Et hop, je vais chercher la petite boîte. Pour l'instant, c'est parti pour que ce soit du God of War sur PS2 la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas hein, si vous voulez, sinon bah,
on fait God of War, moi ça me dérange pas. Donc God of War, ça c'est pour la semaine prochaine, sauf s'il y a plus de votes sur un autre jeu. Mais pour l'instant, il n'y a que Chaton qui m'a donné ses votes. Ça sera ce jeu-là. Et sinon, eh bien dans 15 jours, c'est pareil, je vous sollicite. Il faut pas hésiter à me demander quel jeu je vais vous voulez que je stream. Mais cette fois-ci sur Xbox, première du nom. Donc là, vous avez le choix par contre entre trois jeux. Forza Motorsport, Project Gotham Racing 2 et Call of Duty Rally 04. Pour le moment, eh bien, c'est Forza Motorsport qui serait joué ce soir-là. Suivi de Project Gotham Racing 2 si vraiment on s'en lasse, ce qui m'étonnerait puisque... donc voilà, faut pas hésiter, hein, surtout plus il y aura de bots et bah, plus ça va être sympa, ça me laissera plus de marge de manœuvre aussi pour choisir les jeux. Mais il faut pas me le dire d'un moment, sinon c'est trop tard. Voilà pour ce qui est de la semaine prochaine. Bon, moi j'espère que cela vous aura plu, il y avait vraiment du bon jeu, c'était mieux que la semaine dernière. La semaine dernière, ouais, Noble Racing quand même était plutôt sympa, malgré que le manque de contenu. On pourrait jouer ensemble à la Diablo 3 sur la Switch. Alors, jouer ensemble à Diablo 3, pour l'instant, oui, on pourrait, puisque j'ai toujours l'abonnement Nintendo Switch jusqu'au mois d'août. Après, ben, si j'ai encore un petit budget, je serais contraint de ne pas poursuivre l'abonnement Nintendo Switch, même si c'est 20 balles. God of War avec Kratos, ouais, c'est le premier God of War, en fait. J'aimerais que tu fasses une Need for Speed. Ah bah ça viendra. Ah oui, tu veux sur PS2, c'est ça? Bah écoute, si tu veux que je fasse du Need for Speed Underground, il n'y a pas de souci, je peux faire ça en deuxième partie. Hein, encore une fois, je peux scinder. Je peux faire une partie, sachant que Need for Speed Underground, je l'ai déjà un peu saigné. Hein, enfin, je l'ai un petit peu, comment dire, Need for Speed... j'y avais joué hein, plusieurs fois l'année dernière en fin de live, donc ça risque d'être un peu, les courses commencent à être un peu hard, mais pourquoi pas, ouais, faire quelques courses. Je commencerai par God of War et puis terminer par Need for Speed. En plus, bah, vu que c'est Chaton qui me l'a demandé, God of War, et qu'il adore Need for Speed Underground, donc il serait content, il serait tout à fait content de pouvoir regarder et God of War et Need for Speed. Donc ouais, il n'y a pas de souci. Je note ta suggestion. Et puis ben voilà, on fait comme ça, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Moi franchement, ce soir c'était super les jeux. Vraiment les crashs, je pensais pas que j'allais accrocher. À cracher. Mais les jeux étaient bien. Moi bon, Alexandra, c'est un jeu. Je pensais que ça allait être vraiment gnangnan. Mais au final, ça passe pour les filles. Jusqu'au mois d'août. Donc bon, il me reste encore du temps, il me reste 6 mois. Encore 6 mois. Un peu moins de 6 mois peut-être. Voilà. Là en ce moment j'ai pas trop le temps. Et puis bon bah justement ça irait jusque parce que j'envisage de reprendre les études. Là peut-être que on croise les doigts. Peut-être que cette fois-ci, je vais pouvoir reprendre mes études, puisque l'année dernière, j'avais déjà entrepris ça, et puis ça n'avait pas passé. L'année d'avant, c'était pareil. Donc voilà, on essaye, on y croit. Donc si vraiment je dois reprendre des études, ce sera au mois de septembre. Donc c'est pour ça que je ne verrai pas l'intérêt de renouveler, au final, l'abonnement Nintendo Switch. Voilà. C'est pour ça. Pour l'instant, je l'ai, je le garde puisque de toute façon c'est payé. Mais je pense que au mois de août, malgré les jeux rétro qui sortent régulièrement, que ça peut être sympa, j'arrêterai provisoirement. Hein, c'est pour ça, c'est pas cher non plus hein, comme abonnement par rapport à l'abonnement PlayStation. PlayStation Network ou Xbox Live, c'est un peu plus cher par an. Enfin, oui, par an.
moi, c'est presque le prix de l'abonnement Xbox Live, le prix de l'abonnement Nintendo Switch Online. Là, c'est vrai que c'est pas le budget quand même. Alors, il va falloir qu'on se reconnecte. Alors, bah ouais, ce serait génial. Bon, bah là, je suis déjà en cours, j'avais cours. Mais là, ce serait quelque chose qui serait plus sur du long terme. Hein. Donc, je serais parti sur deux années. Deux années. Hein. Là, c'est quelques mois à chaque fois, c'est 4 ou 6 mois. Par-ci, par-là. Là, c'est deux années et voilà. Ça passerait vite. Et en même temps, voilà, reste focus sur mes études. On reste, on verra. Mais j'aurai pas la réponse tout de suite. Hein. Ce sera vraiment cet été. Mais ouais, il y a pas de souci hein, pour d'ailleurs, il y a pas de souci. Faudrait peut-être que je le remette à jour. Ça. Donc voilà, c'est tout. Bon, je vais pas rester trop longtemps parce que je commence à être fatigué. Demain, faut que je me lève, il est déjà 11h. Et il faut que je range tout le bordel. C'est ça, hein. Là, après le live, j'ai pour une minute, un quart d'heure de rangement. Et puis, je suis pas couché, quoi. Donc, à 11h30, je serai couché. Mais il faut que je me lève aussi demain. Parce que s'il y a les rues qui sont glissantes, il va falloir que je parte plutôt chez moi. Bon, bah c'est tout ce que j'avais à dire. Avant de vous quitter, ben, je vous invite à me retrouver. Regardez le replay d'ailleurs. Hein, c'est pour les personnes qui n'ont pas vu le replay ou qui n'ont pas vu le début. N'hésitez pas à regarder le replay. On se retrouvera donc dimanche pour Killzone. Je vais essayer de continuer. Killzone Shadowfall, c'était compliqué dimanche. Le jeu est quand même assez difficile, mais bon, je vais continuer quand même. Je ferai pas une grosse session par contre, ça c'est sûr, une heure et demie grand max. Je ferai pas comme dimanche là, essayer d'obstiner à terminer le truc. Si je vois que j'en ai marre au bout d'une heure, une heure et demie, bon bah je stoppe et je reprendrai la semaine d'après. Donc voilà, dimanche on me retrouverait sur Killzone Shadowfall. Lundi, si tout se passe bien, il y aura la suite de Wall-E. Voilà, ça dépendra du micro, bien entendu, hein, parce que le micro, j'ai l'impression que ça... Je sais pas, c'est la deuxième fois cette semaine que mon micro n'est pas reconnu. Alors, je sais pas si c'est un problème matériel ou si c'est un problème logiciel. Mais bon, j'espère que ça va pas revenir, parce que sinon... ça va être compliqué de commenter mes parties. Voilà. Bon, et ben il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de soirée. Encore merci pour votre fidélité, merci beaucoup à vous tous. J'espère que ce live vous aura plu. Si c'est le cas, et ben on se retrouve mercredi prochain pour le premier en série de l'année sur God of War et Transmit Underground. Bonne nuit à toi aussi, bon courage pour la fin de la semaine. Team Lev, bon courage à tous. Et rendez-vous dimanche. Allez, salut, bonne soirée.